La Lotus Elise aura une remplaçante électrique. Oui, ça s'appelle une Tesla Roadster numéro 1, du coup. Bon, évidemment, ça sera autre chose, mais si vous voulez une Lotus Elise électrique, il y a la Tesla Roadster des années 2008, hein. Alors, au centre même de la marque doit toujours se trouver cette voiture de sport légère. Ça donne la crédibilité nécessaire pour créer d'autres produits dotés de caractéristiques sportives. Prêt à aller au bout du projet avec lequel Lotus devait initialement développer cette sportive, donc même en l'absence d'Alpine, la marque anglaise a indiqué que cette Elise électrique reposera sur la plateforme e-sport. Plus légère que la structure d'une Emira, elle permettra d'économiser de précieux kilos. Car même si la version sportive s'annonce comme une des électriques les moins lourdes, elle ne sera pas un poids plume pour autant, et pour cause, la plus petite batterie serait de 66,4 kWh. Elle permettrait à la voiture d'atteindre une autonomie homologuée de 480 km. Ce qui est bien. Par contre, le prix est un peu moins bien, 75 000 livres. Ça fait cher quand même, hein. Bon, en attendant des caractéristiques finales, évidemment, c'est plutôt prometteur, et j'ai hâte d'en savoir plus. Mais même si, évidemment, elle ne sera pas abordable, cette voiture, ça restera une Lotus, donc qui dit Lotus dit cher quand même. Pas abordable, quoi, hein. C'est pas une Alpine, hein. Même si les Alpines, c'est pas non plus très abordable. Ça restera moins cher. Allez, ciao.